Bon alors? D'accord, écoute. Vois-tu, ce chasseur était à la recherche d'animaux sauvages à tuer. Pour leur chair et leur fourrure. Et alors, je suis pas un animal sauvage, moi. Eh bien, il s'est imaginé que tu en étais un. Quoi? Pourquoi ça? Il a cru que tu étais un loup. Oh, je savais que quelque chose clochait chez moi. Il n'y a rien qui cloche chez toi, tu peux être fier de ta lignée. C'est ça. Ta mère est une superbe qui pure race. Dans ce cas, tu es quoi, toi? C'est moi qui suis à moitié loup. Mais enfin, comment est-ce possible? Écoute, Alou. Mon père était un husky qui a eu des enfants avec une louve. Génial, ma grand-mère était un animal sauvage. Et est-ce que cette louve t'a appris à savoir lorsqu'un humain voulait te tuer? Eh bien, j'étais accidentellement séparée d'elle quand j'étais tout jeune, alors. Je n'ai passé que peu de temps avec la louve. Mais je me souviens qu'elle était aussi blanche que la neige. Elle avait une voix douce et chaleureuse qui me rassurait. Puis Boris m'a pris sous son aile. Et après avoir été élevé par un jar, c'est un miracle que je sache aboyer. Pourquoi tu m'as pas dit ça plus tôt? Parce que je voulais te protéger. Me protéger? De quoi? Du fait qu'aucun humain ne voudra jamais m'adopter parce que je suis en partie sauvage? Alou, tu peux m'expliquer pour mes frères et sœurs? Ils ont du sang de loup aussi. Pourquoi les humains veulent bien d'eux? Parce que ça ne se voit pas chez eux. Mais chez toi, si. Non, c'est pas juste. Je te déteste.